Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 21, c'est l'été aujourd'hui. Il est déjà midi 35, je suis en train de préparer à manger et vu que j'ai tellement pas d'idée en ce moment de quoi faire à manger, je me suis dit que j'allais faire des pâtes au thon, curry et crème fraîche. Voilà. Franchement, j'ai plus d'idées en ce moment, mais tout le temps, en fait, à cette période-là, quand ça commence à être l'été, les chaleurs, etc., je patauge au niveau des idées, recettes. Déjà d'une, parce que j'ai pas envie de manger chaud et froid, en fait, t'as vite fait le tour, hein, entre les salades. Non, mais je vous jure, et surtout que froid, en fait, vu qu'il y a... Enfin, froid, c'est vrai que les salades, il y a presque que ça. Ou alors tomates mozza, ou des quiches peut-être froides, etc. Mais on a vite fait le tour. Et c'est surtout que David, c'est un mec. Il aime bien la viande, il aime bien... Voilà, t'as compris. Donc manger des légumes, lui, c'est pas son truc. Donc c'est compliqué de faire manger froid quand c'est pas des salades. Donc au bout d'un moment, on a aussi envie de changer des salades et on a envie de faire autre chose. Donc bon, là c'est un repas chaud, mais franchement, je vous dis honnêtement, j'aurais préféré me faire un truc froid parce qu'il fait encore très lourd aujourd'hui. Alors il n'y a même pas de soleil, c'est couvert, mais il fait hyper hyper lourd quoi. Enfin, on a beau ouvrir les fenêtres, essayer d'aérer et tout, en fait ça sert à rien parce qu'il fait tellement lourd que en fait, ça sert à rien. J'ai également encore des haricots verts que j'ai préparés hier. Toc. Donc on va manger aussi les haricots verts. Aria et Nolan en raffolent. Donc c'est tant mieux. Et voilà. Ce matin j'ai fait mon petit rituel comme d'habitude. Montage, ménage. J'ai fait ma salle de bain à fond aussi. Enfin voilà, les trucs. Truc qu'il faut faire. Et sinon aujourd'hui on n'a rien de prévu du tout parce que déjà on est mercredi. Il y a juste le judo ce soir de Nono, c'est sa dernière, son dernier entraînement aujourd'hui. Après vu que c'est les vacances, il n'y a plus d'entraînement, donc aujourd'hui c'est son dernier entraînement. Et voilà, il fait lourd, j'aime pas ce temps quand il fait lourd là, c'est comme ça. Donc là ce que j'ai fait pour faire les pâtes au thon, j'ai déjà fait revenir... deux échalotes comme ça, je les fais bien dorées, vous savez, pour qu'elles soient vraiment toutes fondantes. Ensuite, je vais rajouter ma boîte de thon, la crème fraîche, du curry, un petit peu d'autres assaisonnements, sel, poivre, persil, voilà. Et là, j'ai mes petites pâtes qui cuisent. Bon, il est 15h36. Voilà. J'ai raccourci tous mes ongles, j'ai enlevé tout le gel et j'ai mis du semi-permanent. Je suis tellement indécise. En fait, le problème, c'est que à chaque fois que je me dis je vais faire des ongles un peu plus longs que d'habitude, je vais mettre du gel, tout ça, des couleurs et tout ça, des motifs, je me lasse tellement trop vite que j'ai envie de changer en fait toutes les semaines. Et en fait moi le semi-permanent, avant quand je le faisais, je changeais toutes les semaines de couleur parce que dès que je commence à avoir un peu de repousse, je déteste ça, donc j'enlève, je remets, etc. Et en fait je suis tellement, j'aime tellement changer que en fin de compte les ongles en gel, je vais arrêter. Même si c'était très beau hein, les ongles en gel, etc. Mais déjà le long ça me va pas. Enfin, le long, ça me dérange beaucoup. Ce qui m'angoisse, c'est d'avoir de la crème en dessous des ongles. Ça m'énerve. Et donc, bref. Donc, j'ai tout raccourci. J'ai refait mon semi-permanent. J'ai fait un, là, vous le voyez, rose foncé. Mais c'est un rose fluo. Et évidemment, avec des paillettes à l'intérieur. Voilà. Mais j'ai fait très simple. Hein.
Mais ça me va très bien comme ça. Je préfère de loin comme ça que les ongles longs. Enfin voilà. Bon, sinon, je vais essayer une recette que j'ai vue sur TikTok sur le compte de Audrey. Encore une fois, vous allez me dire encore Audrey. Oui, parce que je la suis beaucoup en fait pour ses recettes. J'adore. C'est hyper simple à chaque fois les recettes. C'est hyper bon. Enfin voilà. J'adore. Donc, c'est des barres de céréales. Après, on en voit partout tourner en fait sur TikTok, Instagram, ces barres-là. C'est des barres avec des galettes de riz. Voilà. Donc là, j'en ai pris 6 que je vais émietter. Il faudra aussi des flocons d'avoine, des pépites de chocolat, du beurre, du lait concentré, du miel. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, on va faire ça ensemble. Bon, ça y est, mes petites barres de céréales viennent de sortir du four. Je les ai mises là à refroidir. Et le temps que le four est encore chaud, je vais faire une tarte abricot. Puisque, comme je vous ai dit hier, j'ai eu pas mal d'abricots. Donc, par contre, là, je pourrais pas vous filmer parce que j'ai plus de batterie. Je voulais recharger la batterie. Donc, c'est très simple. Je vais couper mes abricots en deux. Je vais les disposer sur la tarte pour la préparation de la. Comment on appelle ça pas crème dessert, mais. Comment on appelle ça le genre de flan là. C'est pas un flan, je sais, voilà. Mais je fais 2 œufs, crème fraîche, sucre, poudre d'amande et un petit peu d'arôme vanille. Je remue tout, je mets ça sur la préparation, je mets au four des amandes affilées et c'est très bon. Bon, j'ai rechargé un petit peu ma batterie pour vous montrer parce que là j'enchaîne en fait. J'ai mis donc la tarte à l'abricot au four et là je vais enchaîner. Je vais faire un cake jambon olive mozza. Enfin jambon non, parce qu'en fait je croyais que c'était des dés de jambon, mais en fait c'est des dés de bacon, mais bon, c'est pas grave. Bacon, olive, mozza, emmental. Voilà, pour ce soir, on mangera ça avec une salade, parce que franchement j'ai plus d'idées en ce moment de quoi faire à manger. Donc pour la pâte à cake, j'ai tout simplement, en fait je vais sur TikTok maintenant et je tape cake jambon olive et je prends la première recette qui me plaît. Donc il faut déjà... 150 g de farine, j'ai mis un sachet de levure chimique, ensuite j'y ai mis, alors c'est pas dans la recette, mais moi j'ai mis sel, poivre et herbes de Provence, voilà. Là je vais rajouter 3 œufs, 125 g de lait et 80 g d'huile d'olive et après je vais rajouter le reste, la garniture, voilà.
Et nous sommes le lendemain. Je vous ai pas repris hier, franchement, mais j'étais tellement, tellement fatiguée hier. Je vous explique même pas. Je pense que c'est à cause de la chaleur. La chaleur me fatigue énormément. Et les enfants aussi, je dois l'avouer. Non, franchement, hier, ouais, c'était un peu. Je sais pas, c'était fatigue. Du coup, je me suis mise au lit. On a regardé Cauchemar en cuisine. Sauf que je me suis dit, je vais clôturer à la pub. À la pub, j'étais en mode lock. J'avais même plus la force de prendre mon appareil pour clôturer. Enfin voilà, vous avez compris. Je voulais juste vous donner des retours sur les barres céréales que j'ai fait. Alors franchement, elles sont bonnes en goût. Les enfants les adorent. Mais le problème en fait, c'est qu'elles ne sont pas croustillantes. Alors après, dans la recette, je vous ai marqué les indications. Mais moi, j'ai tout fait au pif. Enfin, tout fait, non. J'ai mis le lait concentré au pif et le beurre. Donc peut-être que j'ai mis trop de lait concentré et trop de beurre. C'est peut-être ça qui fait que ça rend pas croustillant. Mais du coup, bah, c'est des barres de céréales ouais, un peu molles. Je pense que je ne referai pas cette recette-là. Par contre, j'en ai trouvé une autre aussi sur TikTok avec du beurre de cacahuète à mettre dans le congélateur, etc. Donc j'ai peut-être essayé celle-ci. Mais sinon, ouais, c'était pas dingue. Par contre, ma tarte aux abricots, elle était divine. Le cake aux olives était parfait aussi. Franchement, il est super bon. Il me reste genre que ça. Il me reste juste une toute petite part. Je crois que Evan a pris 4 morceaux, 4 gros morceaux, vous voyez. On a mangé ça avec une petite salade verte hier soir. Franchement, ça faisait vraiment l'affaire. C'était top. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.